Alors que nous voyons maintenant Eric Casimir à la barre fixe. Eric Casimir qui a semblé très en forme. Nous étions allés le voir dans le courant de la semaine à Antibes. Très décontracté. Et ça, c'est, ça fait partie des nouvelles figures que l'on va voir pendant ces quatre prochaines années. Lâché d'une main, ça avait disparu, cela revient. Voilà, après son grand tour dorsal, un changement de face. Une accélération, c'est la sortie. Non, c'est le lâcher corps tendu par-dessus la barre. Excusez-moi, franchissement dorsal, catch-off. J'ai été surpris, je n'avais pas les yeux rivés à l'écran, mais cette fois c'est la sortie. Double arrière tendu avec double vrille. Dommage qu'il y ait eu ce petit pas vers l'avant. Enfin, l'exercice est... Eh bien, un lâcher de barre, c'est peut-être un peu juste pour le plus haut niveau international. Oui, mais c'est un bon exercice. Oui, mais un seul lâcher de barre, c'est ce qui est exigé dans le code. Il n'en faut pas plus. C'est un agrès où les gymnastes peuvent exprimer leur style. Et le style d'Eric Casimir, on l'apprécie, on le voit. C'est un garçon très, très longiligne. Vous voyez comme il travaille bien au bout des appuis. Il pousse bien sur sa barre. Ici, le fouetté qui va lui permettre une élévation dans l'espace et une double vrille sur le double arrière tendu.